Mon monstre Blark vient de dévorer ta sale mouche des marées mutantes. Trop fort, je parie que tu t'attendais pas à ça. Et qu'est-ce que tu fais? Échec et mat. Mais tu gruges? Non, pas du tout. Les règles stipulent que le monstre Blarg est allergique à la mouche des marées mutantes, ce qui le rend malade pendant 2 tours. Oh, mon émission préférée! Vous avez une chance extraordinaire, monsieur. Mais saurez-vous perdre avec autant de classe que vous gagnez? Comment le savoir, Maximilian? Je ne perds jamais. Il y a un début à tout, très cher. Agent Clown! Le grand agent secret manque à sa réputation. Oh, pas de chance. Avancez la voiture, Victor. Et attention au siège éjecteur. Dans un instant, la suite d'Agent Secret Clank. Waouh, ça déboulonne. Ouais, super. Bon, allez, on zappe. Mais ce n'est pas encore fini. Notre reportage en direct de Veldin. Il y a quelques heures, de terrifiants aliens d'une espèce appelée Tyrannoïde ont attaqué la planète par surprise. Selon les autorités, un certain docteur Nefarius, un robot animé par de funestes intentions, serait l'instigateur de cette attaque. Comme le montrent ces images, les Rangers Galactiques tentent de repousser l'attaque. Mais ces monstres à tentacules ne font pas de quartier. Et la petite planète pourrait bien disparaître de la galaxie en l'espace de quelques heures. C'était Darla Gratch pour Info 64. On rentre au bercail. Mais Veldin, c'est dans la galaxie de Solana? Oh non! Pas le propulseur gravimétrique? Celui qui n'a pas encore été testé? Bricoler avec de la vieille ferraille Blarg? On y go, Monigo? On n'ira pas loin. Tu disais quoi, déjà? Je retire ce que j'ai dit. Personnellement, qu'il n'est pas trop tard. Bonjour client 91802 et bienvenue dans la galaxie de Solana. Ce doit être les Rangers Galactiques. Hé, hey, un nouveau sergent. Hein? Tenez, sergent, prenez mon arme. On est assaillis, on va tous mourir. Appuie sur la touche cercle, utilisez le foudroyeur. De vous voir, sergent. On est bloqué par ce véhicule ennemi. Nous devons le détruire. Laissez-moi deviner, c'est Bibi qui s'y colle, c'est ça? Le sergent est volontaire. Tenez, prenez ça. On vous couvrira d'ici. Sers-toi du lance-grenade contre ce véhicule. Sélectionnez des armes, maintiens la touche triangle en...
maintiens la touche L1 enfoncée pour viser avec précision. Flénoïdes se sont repliés dans une base du secteur F. Ordre de les éliminer. Le secteur F, pas question, ce sera sans moi. Nous allons tous finir en pièces détachées. Hé, hey, rentrez par ici, les soldats. On a une planète à sauver. À vos ordres, chef. Les commandes caméra dans le menu Options. Voilà les vaisseaux Noïdes. Tu, c'est Tyrannoïde. Attention, porte ouverte.
porte déplacée latéralement, maintiens les touches L2 ou R2 enfoncées en courant. Attention, ils sont planqués dans les débris. Tu sais, tyrannoïde. Attention, porte ouverte. Pour te déplacer latéralement, maintiens les touches L2 ou R2 enfoncées en courant. Détruis ce véhicule. Chef, une transmission du président. Quelles sont les nouvelles du front, soldat? Mais c'est vous, agent secret Clank! Mes respects, monsieur. Nous venons vous aider. J'adore ce que vous faites! Ah, je vois que vous êtes venu avec votre chauffeur. Son quoi? Non, je vais vous expliquer. Agent Clank, nous devons arrêter le docteur Nefarius. Comme vous le savez, un seul homme est parvenu à le vaincre. Mes services de renseignement viennent de retrouver la trace de cet homme. Tenez, regardez. Ce soir, Mystère de Dame Nature part à la recherche de la bête de Florana. Au plus profond de cette luxuriante forêt de jambou, vit une mystérieuse créature. Un faux ou un tox, c'est un des mystères de Dame Nature. V'là-tu quoi qui traverse le camping en courant? Il était nu comme un ver, l'hurlait même, puis il avait une banane dans la main. Enfin, peut-être que c'était pas une banane. Peut-être que c'était un des mystères de Dame Nature. Selon la légende, cette mystérieuse créature serait en fait l'un des plus grands super-héros qui ait jamais existé. Accablé par un passé honteux, il est devenu un des mystères de Dame Nature. Restez avec nous pour connaître la vérité. Nous devons trouver cet homme. Le sort de la galaxie pourrait bien dépendre de lui. Vous êtes sûr qu'il s'agit bien de notre homme, monsieur le président, parce que il a quand même l'air un petit peu dingo. Vous avez peut-être raison, mais il est notre dernière chance. Je sais que vous ne m'abandonnerez pas. Vous pouvez compter sur nous, monsieur. Peut être configuré de diverses manières. Tu peux par exemple attribuer la touche R1 à la commande de tir. Pour changer de configuration, appuie sur la touche Start, sélectionne le menu Options, puis Commande. L'arme s'est améliorée. Les armes souvent utilisées s'améliorent automatiquement. Maintiens la touche cercle enfoncée pour charger le foudroyeur afin de produire une attaque plus puissante.
un grand saut, maintient la touche R1 enfoncée et appuie sur la touche croix. Grimpez à une échelle, saute dessus et appuie sur croix jusqu'au sommet. Ton armure est renforcée et ta clé cause plus de dégâts pendant un certain temps. Des murs, saute vers un mur et appuie sur la touche croix juste avant de le toucher. Utilisez le câble, positionne-toi en dessous et saute. Pour sélectionner des armes, maintiens la touche triangle enfoncée et sélectionne une icône avec le joystick analogique gauche.
Ratchet, on a de la compagnie. Où ça? Derrière toi. Où ça va? Derrière toi. Ça va? Il s'amuse bien, monsieur Clown. Ah, vous vous trouvez en territoire sacré. Vous devez franchir le sentier de la mort. Mais, monsieur... Le sentier de la mort. Cavera, appuie rapidement sur la touche L1. Survolez votre sentier, machin bidule. Alors maintenant, vous nous dites ce que vous savez sur le docteur Nefarious. Hein? Allô, le docteur Nefarious. On dit que vous êtes le seul à l'avoir jamais vaincu, alors... Qui? Mais il a fumé la moquette ou quoi? Capitaine Quark. Oui. Capitaine Groove. Bon, ça suffit, Quark. Tu commences vraiment à me courir sur les noisettes. D'accord, Quark a une fêlure dans la banane. Alors, on fait quoi? Surtout, garde ton masque. Il te prend pour son nouveau maître. Je suis ravi. Nous avons un appel. Ici le capitaine Sacha, aux commandes du Phénix. Le président m'envoie en renfort. Ah, salut. Vous avez pu localiser le capitaine Quark? Ah oui, trouvé, ça on l'a trouvé, mais il se prend pour un singe. Bien sûr. Amenez-le-moi, nous verrons ce que nous pouvons faire pour lui. Terminé. Regarde-moi ça, Clank. Ça, c'est du vaisseau. Bienvenue à bord du Phénix, messieurs.
Waouh ! Impressionnant, n'est-ce pas ? Le Phénix est le joyau de la flotte galactique. Il est équipé de la technologie dernier cri. Holoplateforme d'entraînement, distributeur automatique d'armure et d'armes, champ de tir virtuel, upgradeur de chasseurs tactiques, et même un système de loisirs interactifs VG9000 Gadgetron. Un vrai VG9000 ? Oui, qu'est-ce que vous croyez ? Équipé d'une manette Mavox Fireball Pro, d'un casque VR et d'un tapis de danse 0G. Ah, vous voulez pas m'épouser ? Il semble que le voyage ait été fatigant. Pourquoi ne pas rejoindre votre cabine ? Nous avons fait installer des quartiers spéciaux pour Quark. Il ne vous embêtera pas. Retrouvez-moi sur le pont quand vous serez prêt. Pour afficher la carte du monde, appuie sur les touches Select ou R3. Dans la salle des trophées du Phénix. Elle recense toutes les médailles d'honneur reçues par les membres d'équipage. Voici le pont VR du Phénix. Tu pourras t'y entraîner au combat ou à l'utilisation de nouveaux gadgets. Thank you.
Voici ta cabine. J'ai fait installer un VG9000 pour que tu puisses jouer à des vidéos fun. Le rendre frappa cinglé. Qui sait, la vie de héros intergalactique peut être très stressante. Eh, bien sûr. Alors tu veux me dire que ce fêlé de la banane est notre seul espoir d'arrêter Nefarious? Bah, c'est pas gagné. Voici le système de loisirs interactif VG9000. Il te permettra de jouer à des vidéos fun. Super ! Retrouve-moi sur le pont.